je dirais à mes filles là qu'on dit ah tu ou de là tu ou tu ou tu allez ma ouga bizouka ouga c'était pas du jeu. Et j'entends la foule crier et je suis là en fait je me sens plus, je dis ah là ça là là mon truc après ça c'est fini, ça y a rien à faire. Et la seconde que suis j'entends l'arrivée de Yodé Siro, il dit il dit mais je crois que ma chanson il restait, je crois qu'il restait, il restait peut-être une minute trente, une minute vingt, vingt-cinq secondes comme ça. Et la chanson là, ça faisait comme une heure dans mes oreilles. Dit ça dit quand j'ai commencé à devenir artiste, quand j'ai commencé à chanter, on va dire voilà le concept fatigué. J'ai eu un concert, un spectacle au Burkina Faso. C'était le premier pays qui m'a accueilli. Le Burkina Faso, c'est, on va dire, c'est mon pays de chance. Voilà, Ouagadougou, ma ville. Et la salle, je crois que c'est dans la, je crois que c'est la maison des peuples, un truc comme ça. Et le même jour, il y a eu tellement de monde, il y a eu tellement de monde que la salle était pleine. Et j'ai joué. Après, les gens ont vidé la salle. Ceux qui n'ont pas pu assister au concert sont rentrés. J'ai rejoué, c'est-à-dire j'ai fait deux concerts le même jour avec deux publics différents. Et à l'entrée pour l'hôtel, je crois qu'il y a un groupe de cyclistes, les gars de motocyclistes, machin. Il y a eu tellement de débandades que je crois qu'il y a eu un gros accrochage, il y a eu accident de moto, plusieurs des filles étaient blessées et tout ça. Ah voilà, c'était très marquant. Et voilà, c'était très marquant. Il y en a plusieurs comme ça, mais celui du Burkina Faso, c'était. Ah les Burkinabés, mes gars, big up, on est ensemble, on va se récapter, ne vous inquiétez pas, j'y travaille là. Voilà. J'ai eu encore un autre fait marquant. C'est-à-dire, il y avait une tournée européenne. Et d'habitude, c'était, on va dire, quand tu vas en Europe, tu fais une tournée, on va dire, c'est peut-être 8 dates. Même peut-être 7 dates, même peut-être 10 dates. Dans le temps, hein, je vous parle de 2008-2009 là-bas. Ah, le gars, il me sort mon truc de mon planning là. Je suis à près de 38 dates. C'était un truc de malade. Vous voyez, c'est les choses qui marquent. Ça marque, hein. Ça marque. Je me suis retrouvé dans les pays comme la Suède, en train d'aller chanter Danemark, les pays bizarres comme ça. Bon, quand je dis bizarre, c'est pas trop loin du français, au fait. Trouvons les francophones. Ah, c'est des vrais pays, hein, c'est le coin est bien, mais bon, c'est des choses qui marquent la vie. Hé, hey, Seigneur Jésus, je me souviens, c'était au début. Je crois que j'étais quitté. On avait une starlette là. C'est une voiture, une starlette. Une petite voiture comme ça, la première voiture de mon manager. Hey, Yannick Aga, on a souffert. On a trop souffert. Et on était quitté, je crois. On était quitté à Bongouanou ou bien où là? À Nibile Kourou, un truc comme ça. Et on dit qu'on avait une émission plein air. En ce moment, on faisait l'émission à l'Académie des Mers, à Yop. Et donc, j'arrive. J'arrive là, dans le coin, et j'étais pas vraiment en vogue comme ça. Hein. Donc j'arrive là, machin, dans le coin, je suis assis, tu vas monter. Donc là, je prends mes danseuses, paf, on monte sur le podium. Je dis, on commence ma chanson. Oma ou kerebete, kao, kao, kerebete, alazou, avei, kerebete, kao, kao, et il faut me voir en train de mouler. Kao, kao, yeah, je suis espérant. Un coup, il entend, wow, et ça crie, il dit, waouh, il dit, mais je dirais à mes filles là, qu'on dit, ah, tu es là, tu es là, tu es là, allez, ma, ouga, bizouka, ouga, c'était pas du jeu. Il dit, j'entends la foule crier, et je suis là, en fait, je me sens plus, je dis, ah là, ça, là, là, mon truc après, ça, c'est fini, ça, il n'y a rien à faire. Il dit, la seconde que suis, j'entends l'arrivée de Yodé Siro, il dit, il dit, mais je crois que ma chanson, il restait peut-être une minute trente, une minute vingt, vingt-cinq secondes comme ça. Et la chanson, là, ça faisait comme une heure dans mes oreilles. Il dit,
Il dit, je chante, ça finit pas. Il dit, Seigneur, enlève-moi ici. Il dit, c'est pour être disparaître. Et il entend, wow, l'arrivée, il dit, si haut, ça crie là-bas. Il dit, c'est sur le podium. On est un pingouin. Il dit, je vais jamais oublier ça. Et il y a tellement de trucs comme ça maintenant. Là, je peux m'arrêter. Je peux m'arrêter là. Il y a sinon des trucs comme ça. Il y en a tellement. En tout cas, moi, je sais. Ce que je sais, c'est que chaque artiste, vraiment, qui a connu un peu de lumière, a eu trop d'ombre. Trop de ténèbres dans sa vie. C'est pourquoi il y a une parole qui dit là où les ténèbres abondent, la grâce surabonde. C'est-à-dire qu'il y a tellement de choses à expliquer. Ah, je me souviens quand je suis au lycée de Gagnoua, je crois que j'étais en classe de 4e. Et le lycée était tellement loin de la maison où j'habitais. Au lycée moderne de Gagnoua, ma terre, ma ville, était tellement loin d'où j'habitais. Moi, je quittais Garayou à pied, donc il fallait quitter la maison à 5h30, 45. Si tu as raté 5h30, 45, tu arrives en retard. Donc, tu marches 5h30, 45, tu es déjà sur pied, jusqu'à 6h50, 55, ou plus tard 6h55, mais je pense que c'est 6h50, parce que c'était un timing. C'est ce qui a développé un peu mes moulins. Ça m'a donné quand même un moulin. Hein. Jusqu'à 6h50, le temps que tu arrives, tu enlèves ton kaki, tu te... C'est la sueur, les trucs comme ça, machin. Et donc, quand tu avais cours, moi j'avais cours, on va dire, j'avais cours le lundi, mardi, à midi, le soir. C'est-à-dire, cours à 7h30, et après encore, je cours à. Comment dire, non, je cours à 7h, et après, je cours à 15h, 14h ou 15h. Donc, quand tu finis à midi, tu ne peux pas marcher, tu ne peux pas quitter le lycée, marcher jusqu'à Garayo, et puis retourner encore. Ça sera chaud, donc tu es obligé de rester. Tu veux de rester. Et puis, comme j'ai dit, moi, voilà, le vieux n'était plus. Donc là, c'est chaud. Donc j'étais obligé de dormir dans les bancs. Il dit, un jour, là, lundi, je suis allé, j'ai dormi dans le banc. J'ai fini à 18h. Le temps, j'ai arrivé à la maison à 20h, 20h30, mais 21h et quelques. Là. Tu vois, les gens ont tout mangé, ils m'ont pas regardé. Il dit, j'ai dormi. Il dit, j'ai dormi. Matin, je me suis réveillé à 5h. Je me suis lavé. 5h30, j'ai pris la route. Je suis passé sans manger la veille, hein, toute la veille. J'ai pris la route encore, marché des kilomètres à vous, le lycée Monégain, au lycée. J'ai deux coups à midi, il y avait encore coup le soir. Je crois qu'il y avait coup à 15h encore. Donc je suis resté dans les bancs. Il dit, il y a un fétiche comme ça. Ça me fait un jour et demi sans manger. C'est pas des 48 heures, plus c'est encore 12 heures sans manger. Il dit, faut me voir. Il me met au réfectoire, je bois un peu d'eau. J'avais le vétiche, t'as rien sur toi. Donc après, quand il est midi, là, chacun sort, on a demandé. Donc mes gars, ils sont sortis. J'ai dit, j'ai suivi encore le cours. J'étais mort, j'étais 18h, je marchais mort, affaibli comme ça. Un coup, je regarde à ma droite, là, je vois une grosse mamie d'un restaurant, non, hein, au bord de la route, là. J'ai dit, mais je me souviens qu'il y avait des. Ah, à Babré, parce que le lycée modèle Gain, ouais, il est au fin fond de Babré. Donc, j'ai regardé la mamie, j'ai dit, j'ai traversé. Il n'y a pas rien à gauche ni à droite, vous me voyez, j'ai traversé la route. C'est l'eau seulement qui était dans mon ventre. Et il a traversé la route, il a vu la dent, il dit, ah maman, gratte là. Elle dit, il faut me voir, il dit, faut me voir dans mamie de la dame là. Yeah. Non, ce jour-là, je ne peux pas oublier ce jour-là. Ah, je ne peux pas oublier ce jour-là. Il dit, j'ai tabac. Le lendemain, c'était mercredi, avec où je ne suis pas venu. Bah, il fallait que je reste à la maison pour ne pas rater l'heure de la nourriture. Là, je suis pas venu. C'était une heure. Tu as raté l'heure de la nourriture. Non, c'est là, moi, je ne viens pas. Et donc, mes yeux, à midi, pile poil, il assis. Mon cher, dans sa vie, il est tabac, il attend le soir. Il est là au cap, 19h30 dans sa vie. Moi, il dit bon, le lendemain, je vais à l'école. Et c'est là, une amie me dit, mais ah, mais Sougaï, pourquoi tu n'es pas venu à l'école? Quand il lui expliquait, il dit, ah ouais. Ah, mais je crois elle s'appelait Kone Nadine. C'était la fille du commissaire de Gagnoua, commissaire Touré. Je me rappelle pas bien, si je me rappelle, mais je sais que je vais jamais rappeler. C'est elle, le midi, quand elle voit que c'était chaud, elle dit bon, ok, elle faisait un petit bol de riz gras, un truc comme ça. Parfois, elle nous ramenait, parfois, j'étais obligé de la suivre. C'était comme ça, quoi. Voilà. Ah, ça, là, vraiment, la fin de ça, je ne vais pas oublier ça. Ah, cette fin-là, il y a eu faim, hein. Moi, j'ai eu faim, mais cette faim-là, quand je vois les gens dire, j'ai fait jeûne sec, je sais de quoi ils parlent. C'est pas du jeu. Mais c'est la mort même, tu vois. C'est la... En fait...
faisait grouper mamie de la dame. Ah bon? Waouh, waouh, waouh.